à base d'huile, dans la majorité des cas. Oui. Et il faut aussi, même chose, respecter. Pas beaucoup d'infestations, bien respecter la dose d'utilisation, et puis après, normalement, appliquer le produit exactement là où se trouvent les insectes. Oui, mais sinon, la meilleure chose, c'est toujours le liquide vaisselle, quoi. Alors, à utiliser naturellement, ou sinon ça, il y a trop de produits chimiques dedans. Pour certains, alors faut savoir que pour certains ça a marché, pour d'autres ça n'a pas marché. Donc tout dépend, on va dire, de la manière dont on a appliqué et de la quantité de cochenille qu'il y avait au départ. Okay. Donc c'est un petit peu ça le gros problème. Donc après, sinon il y a d'autres recettes maison. Oui. Je crois que mon collègue a donné une recette qui est utilisée, qui pour l'instant a montré des résultats intéressants. Oui. Mais il faut savoir que vous n'aurez pas de résultats 100% efficaces. Ah, okay, parce que ce sont des petits insectes qui sont disséminés par le vent et qui automatiquement, si dans l'entourage il y en a, vous aurez des réinfestations. Donc ça veut dire que quand vous avez une plante qui est sensible, il faut sans cesse la surveiller. Mais c'est bizarre que cette cochenille-là, elle attaque toutes les plantes. Avant, je ne pensais pas que ça attaquait toutes les plantes. Maintenant, sur les papayers, on en a. Sur les brésiliens, c'est des fleurs. Alors, qui n'ont pas vraiment... Comme c'est une nouvelle cochenille, donc ouais. Sa plante principale, c'est le papayer, puisque ça s'appelle la cochenille du papayer. Oui, oui. Et après, il faut savoir que comme on a beaucoup de plantes, je dirais à La Réunion, qui sont proches les unes des autres, donc là, automatiquement, vous avez une très grande capacité d'adaptation de l'insecte. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est un insecte qui va, comment dire, faire des tests. Et si c'est un insecte qui peut se développer, se nourrir sur une plante, automatiquement, oui, ça va se développer. Et donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que le papayer qui est attaqué. Ah, voilà. Il y a toute une grande variété de plantes. Et au fur et à mesure, la liste se rallonge. Oui, parce que beaucoup de gens me disent, bon, ben, c'est pas possible, cette cochenille-là, c'est bizarre qu'elle attaque. Après, il faut faire attention. Parce que maintenant, au fur et à mesure, on voit apparaître nos insectes utiles, donc les insectes utiles de La Réunion, comme des coccinelles ou autres, oui, qui commencent justement à s'installer. Ah, voilà. Et qui va manger cette cochenille. Ah, donc, c'est-à-dire que si on observe des insectes utiles, il vaut mieux éviter de traiter. Voilà. Même si on voit que bon, voilà, ça fait beaucoup de cochenilles, on peut juste étailler. Mais on va éviter de traiter. Pourquoi? Parce que si on traite, on va tuer plus les insectes utiles que les insectes utiles. Ça va devenir plus grave. Voilà. Donc on va déséquilibrer la nature. Et bon, malheureusement, dans la nature, il y a quand même du bon. Voilà, merci. Pour toi, c'est moi.